Chaleur, et en plus vous devez voter, mais je suis touché que vous soyez quand même venu. Voilà, c'est ça. Je vous remercie encore. Merci. C'est nous qui vous remercions pour ce film qui reste toujours aussi émouvant. Enfin, je veux dire, ce final grandiose, on a du mal à retenir nos larmes. Enfin, c'est très beau, et voilà. Et on vous remercie d'être là pour en parler avec nous aujourd'hui, parce que c'est une aventure, ce Cyrano, c'est une aventure quand on le voit, mais c'était une aventure à faire. Le film, je l'ai dit, était à Cannes en 90, où Gérard Depardieu a reçu son prix d'interprétation, mais la genèse du film, elle commence bien avant, en 1984. Oui, c'est ça, oui, oui. Une première, en vérité, c'est quelques temps après que les droits de la... Je dis toujours ça, mais... Quand même, c'est que les droits de la pièce d'Edmond Rostand sont revenus dans le domaine public. C'est-à-dire que on avait le droit d'adapter, de faire en façon... Sans frais. Pardon. Sans frais, sans avoir à payer les droits. Oui, sans avoir à payer les droits. Donc il y a une société française qui est... Est-ce que c'est pas... Non, nous ne sommes pas chez Gaumont ici. Non. Bon. Enfin, j'aime beaucoup les gens de Gaumont, mais j'aime beaucoup Publicis aussi. Alors, les gens de Gaumont ont pensé qu'on pouvait faire un film, et voilà. Et c'était en 1984, à l'époque où, d'ailleurs, Jérôme Savary a remis en scène la pièce au Mogador avec Jacques Weber. Voilà, mais finalement, moi je me suis lancé dans un... J'ai hésité beaucoup, j'ai fait une première adaptation. Mais quand les producteurs présumés ont lu, ils ont vu que je voyais les choses vraiment en grand. Je pensais qu'il fallait vraiment que ce soit un spectacle. Donc ils ont, enfin, finalement, ils ont abandonné en pensant que ça allait être trop cher. Et qu'il a fallu attendre quelques années. Enfin, je n'ai plus attendu, d'ailleurs, plus personne n'y croyait. Et je crois que c'est en fait Gérard Depardieu lui-même qui a fini par regretter que ça ne soit pas fait et qui a convaincu un nouveau producteur qui s'appelait René Kleckmann quelques années plus tard, donc en 87. En fait, il venait de faire avec lui Tenue de soirée, le film de Bertrand Blier, oui, qui a été un succès énorme, oui, et les deux hommes se sont plu, et Kleckmann dit à Depardieu... Tu n'as pas une autre idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et Depardieu lui a dit, mais alors justement, moi j'ai toujours regretté qu'on ne fasse pas Cyrano, qu'on devait tourner il y a 4 ans, 5 ans. Et l'affaire est repartie. L'affaire. Et quand je voyais, alors, j'ai vu quand même une demi-heure de la fin du film, je pense que... Enfin, ça rejoint beaucoup de questions qu'on se pose dans ce milieu, que vous vous posez sans doute, cher Philippe, que nous tous nous posons. Est-ce que, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je pourrais faire, enfin en tout cas, en France, en Europe, je dirais, enfin en France, en tout cas, on ne pourrait pas tourner le film. De nouveau, on entendrait les mots trop cher. Et qui va venir voir cela? Oui, je sais, il y en a, ils sont là, d'ailleurs. Ouais. Combien d'années après? 30? 32. 32, oula. Bon, non mais, et voilà, oui, alors. Parce que du coup, vous remettez le projet sur pied, vous aviez un scénario, parce que vous aviez donc écrit un premier scénario, avec cette idée, parce que la maison Gaumont, quand elle vous propose en 84, elle vous dit,
qui est-ce que vous verriez bien? Eux, ils avaient une idée derrière la tête, c'était de recréer le duo Rapneau-Belmondo, celui des mariés de l'an 2, en fait. Que j'avais tourné avec Gaumont, enfin, grâce à Gaumont, voilà. Produit par Gaumont. Et vous, vous avez une autre idée, là, à ce moment-là, vous leur dites tout de suite. Oui, enfin, une heure plus tard. C'est-à-dire que c'est un matin. j'ai souvent raconté cela, mais enfin, un matin, j'étais en train de travailler sur un autre projet. Le téléphone sonne, c'est Jean-Louis Lévy, qui était mon agent, qui me dit « Arrête tout, on nous propose un film. » « Bon, mais quoi ?»« Cyrano de Bergerac. » La pièce de Rostand, oui. Mais quoi, pour la télévision? Non, pour le cinéma. Oula. Mais non, le cinéma. Oui, mais enfin, en tout cas, il faut que tu répondes d'ici une heure. Ah bon? Mais d'accord, il était 11h, ou 10h30 peut-être. Enfin, il faut que tu répondes avant l'heure du déjeuner. Mais en même temps que tu répondras oui ou non, il faut que tu répondes avec qui tu le tourneras. Ah bon? Mais tu as une heure pour réfléchir. Et en vérité, donc, j'ai réfléchi, mais je... Et à l'époque, j'aimais énormément, enfin, je rêvais de tourner avec Depardieu, qui venait de faire ses grands films avec Truffaut, notamment. Enfin, les deux films de Truffaut, quoi. Et vous avez trouvé absolument magnifique sur Truffaut parlant toujours de ça. Ce qu'il aimait chez Depardieu, c'était à la fois l'homme qui avait la grande voix, il pouvait gueuler, comme il le fait parfois dans le film ici, mais aussi la petite voix, qui plaisait plus à Truffaut, d'ailleurs. Et la petite voix qu'il a aussi dans Cyrano, à la fin, la petite voix comme celle d'un enfant, à la limite du pleur de l'enfant. Non, mais enfin, il était idéal pour le. Et quand j'ai appelé, donc une heure plus tard, avant l'heure du déjeuner, Alain Poiret, qui était le directeur de la Gaumont à l'époque, avec qui j'avais tourné Les Mariés de l'an 2, Urasaki, et quand je lui ai dit, ben oui, mais moi je vois bien, je verrai bien Depardieu. Ah bon, je ne vois pas de Belmondo. Si, enfin pas avec moi. Ah bon, pourquoi? Je ne me souviens plus des explications embrouillées que j'ai données. Mais quand j'ai vu ensuite ce cher Jean-Paul jouer au Cyrano au théâtre, j'ai pensé qu'on avait bien fait de le faire avec eux. Avec Jean-Paul, oui. Et donc ce premier projet avorté, mais Depardieu, très emballé, va ressortir le projet au moment de, en 87, avec René Kleppmann, en disant, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais vous allez revoir votre scénario à ce moment-là. Oui, alors, parce que moi alors, enfin, j'avais très envie, même déjà en 84, de travailler avec... j'ai eu un grand ami qui nous a quittés, qui est Jean-Claude Carrière, le grand Jean-Claude Carrière, extraordinaire personnage, homme, ami, auteur, qui connaît tout. L'encyclopédie... Universelle. Oui. Il y avait un surnom, mais et ça me reviendra. Bon. Et alors, et voilà. Et la première chose que j'ai demandé donc à Kleppmann, qui était, à vrai dire, soutenu par ceux qui dirigeaient ce groupe, dont il faisait partie, le groupe Lagardère, Jean-Luc Lagardère. Et c'était un peu au fond. Alors, je me mélange. C'est Jean-Luc Lagardère, oui, Jean-Luc Lagardère, le groupe puissant, parce qu'il fallait un groupe puissant pour mettre en chantier, parce que le film a coûté 100 millions de francs à l'époque. Ah, vous le savez? Mais c'est ça, c'est le prix? Ah bon, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que vous avez dit dans une interview. Bon. Alors attendez, oui. Bon, enfin, en tout cas, très cher. 100 millions de francs, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ce serait au moins 100 millions d'euros, de toute façon. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était très cher pour l'époque. Et il fallait le groupe Lagardère pour soutenir avec UGC. Mais malgré tout, alors, les gens du groupe, et notamment René Kleppmann, finalement, comme tout le monde, comme Gaumont, quand on est arrivé à la fin de l'adaptation, que j'ai peu à peu fait mes demandes, on dit, voilà, il faudrait ceci, il faudrait cela, il faudrait la taille à la fin, il faudrait plus.
ce qui plaisait au fond aux gens qui voyaient le film très, très facilement, c'est qu'il y avait 5 actes dans le film et 5 décors. Mais moi, quand j'apportais l'adaptation, il y avait tout Paris, enfin, tout, les rues de Paris, les places, le fleuve, mais aussi le couvent, le malheur, beaucoup de choses qui n'étaient pas dans la pièce, bien sûr. Plus la bataille, plus beaucoup de choses qui n'existaient pas dans la pièce. Bon. Et donc les gens du groupe Lagardère ont fini par s'inquiéter, jusqu'au jour où, et moi j'ai senti le moment d'ailleurs où ils allaient abandonner, une nouvelle fois abandonner par un groupe, et voilà qu'il y a eu chez Europe 1 qui appartenait à Lagardère à l'époque, et toujours, je n'ose pas dire toujours, c'est si compliqué ce qui se passe avec les héritiers de ce cher Jean-Luc, qu'il y avait un verre chez Europe 1, un cocktail, donc j'y vais, et là on me présente Jean-Luc Lagardère. Ah, me dit-il. Et autour de lui tout son état-major, hein, tout son staff. Ah, alors c'est vous qui allez faire Cyrano? Oui, enfin j'espère, monsieur, oui. Ah, alors attendez, je voulais vous dire une chose. Moi je suis Gascon, n'est-ce pas? Et Cyrano pour moi, c'est comme l'hymne national. Alors ne touchez pas à cela. Et surtout, c'est ton bien fond groupe. Alors là, avec Cyrano, je vous préviens, il ne faut pas négoter. Alors, tout le monde se regarde, mais pourquoi il dit ça? Il est fou. Il ne faut pas négoter. Alors, mais le film, la beauté du film vient de là, avec ces quelques mots. Je suis sorti à ce moment-là dans la rue avec ma femme, je suis parti en disant, le film est sauvé! Le film sera magnifique! Le film sera magnifique! Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il ne faut pas négoter. Et effectivement, ces quelques mots sont restés dans la tête de tous ceux de son groupe qui m'ont soutenu. On n'a pas mégoté, on a donc été... on a quand même pris des précautions. Ah bah, bien sûr, ne pas mégoter, oui. C'est pas faute de l'argent par les fenêtres. Vous avez essayé de tourner le moins cher possible, oui. Faire le plus beau possible. Oui, et notamment avec la rencontre, à l'époque, je faisais beaucoup de films publicitaires. J'avais été en faire en Hongrie, à Budapest, où il y avait des grands studios. Et c'était encore avant la chute du rideau de fer, donc encore en régime communiste. Les choses coûtaient moins cher, en tout cas le cinéma coûtait beaucoup moins cher. On pouvait y tourner. Parce que je connaissais les studios, j'ai pensé qu'on pourrait tout tourner là-bas, Cyrano. Et une bonne partie du film a été tournée là, pour beaucoup moins cher qu'il n'aurait tourné en France. Et ça l'aurait. Voilà. Et notamment le théâtre, tout ce que vous. Enfin, le théâtre. Au début, là, oui, l'hôtel de Bourgogne. L'hôtel de Bourgogne, là, oui, c'est ça. Enfin, beaucoup de choses. Et effectivement, à la fin, l'armée hongroise pour la bataille. Mais comme j'avais tourné déjà avec l'armée roumaine pour les mariés de Landau, donc je connaissais les armées de l'Est. Je n'ose pas dire d'autres noms. Bon. D'autres noms de pays. Bon, pourquoi je blague là, non je blague. Si. Parce que ça nous montre à la fois ce que c'est que le cinéma. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un mot qui va libérer le mot de... Quelqu'un qui dit on le fait, et après, bon ben voilà, comment on s'y prend. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à la tête de cet empire, il faut mener la bataille de Cyrano. Donc il y a des pas, vous travaillez avec votre ami Jean-Claude Carrière, donc ce scénariste formidable qu'on connaît parce qu'il a beaucoup travaillé avec Buñuel, mais aussi il a travaillé avec le cinéma entier. Et ça a été longtemps quelqu'un qui reprisait les scénarios, quelqu'un qui. Vous avez dit vous-même qu'il n'y a quasiment aucun de vos films où il n'a pas mis le nez. Au moins dans les dialogues. Oui, ah oui. Il est toujours venu à un moment donné, pour tous les projets, il venait toujours faire un tour, par amitié. Alors, mais tu es prêt là à faire ce film dont tu m'as parlé? Oui, oui. Mais de quoi ça parle? Viens. Ah bon, moi je viens demain. Alors, ça veut dire, viens demain, d'ailleurs, il venait le lendemain, ou quelquefois le surlendemain. Bon, c'est pas grave, ça peut aller, c'est le jour de retard. Et le matin, il vient. Dans mon bureau, il s'installe, et
Et donc, j'ai déposé un exemplaire du scénario en face de moi, sur la table. Il vient, il enlève sa montre. Toujours, il enlève sa montre. Enfin, je raconte ça. Il raconte sa montre, il la dépose devant. Oui, il enlève sa montre, il la dépose devant lui de façon à toujours contrôler. Et il dit tout de suite à quelle heure il doit partir. Alors, je devrais partir à 11h15. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Et en fait, je vois qu'il surveille. Et à un moment donné, à 11h12, il reprend la montre. Ouais, ben écoute, on a encore 2 minutes, qu'est-ce que tu veux me demander? Enfin, 3 minutes d'ailleurs. Et alors, enfin, ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que, d'ailleurs, il venait plus tôt, il partait plus tard, c'était plutôt à 12h15 qu'il devait repartir. Et dans cette matinée-là, il a le temps quand même de feuilleter le scénario, dont, quelquefois, dont il ne connaît rien, de sortir. Ah ouais, ça aussi, c'est qu'il décapite. Ah ben, il met ça. Ah ben, il n'est pas là. Bon, je cherche mon stylo. Mais lui, il l'a toujours sur lui. Effectivement, c'est un écrivain. Mais c'est un stylo Waterman, comme dans le temps. Donc, il décapite son stylo, il le met près de lui. Il y a la montre d'un côté, le stylo de l'autre, il lit. Et dès qu'il voit quelque chose qui ne lui plaît pas, tac, il prend le stylo. Enfin, que souvent d'ailleurs, il garde à la main, parce que pour aller plus vite. Et puisqu'il doit partir à 12h15. Et je le vois, rayer les mots et les remplacer par d'autres. Et, mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Ben là, je vais changer une phrase. Mais c'est quoi? Alors, il tourne le scénario, il me le montre. Et quelquefois, j'éclate de rire devant la drôlerie qu'il vient de trouver. Il vient de trouver à l'instant. L'instantanéité de son travail m'a toujours bluffé. Mais c'est vrai qu'il a fait tant de choses. Mais là, sur ce film-là, c'était plus.